Jardinetmaisons.fr présente le Dipladenia, également connu sous le nom de Mandevilla, est une plante grimpante originaire des régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Elle est prisée pour ses magnifiques fleurs en forme de trompette et son feuillage brillant, ajoutant une touche d'exotisme à tout espace. Présentation de la plante. Le Dipladenia appartient à la famille des Apocynacées. Cette plante est distinguée par ses feuilles vert foncé, brillantes et ses grandes fleurs colorées pouvant être blanches, roses, rouges ou jaunes. Elle peut grimper ou traîner, atteignant une hauteur de 1 à 3 mètres selon les conditions de culture. Le Dipladenia est particulièrement apprécié pour sa floraison abondante et prolongée. Culture de la plante. Le Dipladenia se plaît dans un sol bien drainé et légèrement acide. En extérieur, il préfère un endroit ensoleillé ou à mi-ombre. Si cultivé en intérieur, placez-le près d'une fenêtre bien éclairée. La plantation se fait au printemps après les dernières gelées, en ajoutant du compost ou un engrais à libération lente pour enrichir le sol. Entretien de la plante. Cette plante demande un entretien régulier pour favoriser une belle floraison. Arrosez modérément, en laissant le sol sécher légèrement entre les arrosages. Fertilisez toutes les deux semaines avec un fertilisant équilibré durant la période de croissance. Taillez les tiges après la floraison pour encourager une nouvelle croissance. En hiver, protégez la plante du froid en la rentrant à l'intérieur si les températures descendent en dessous de 10 degrés Celsius. Conseil. Pour une croissance optimale et une floraison abondante, assurez-vous que le Dipladenia reçoit suffisamment de lumière. Évitez les excès d'eau pour prévenir les maladies des racines. En intérieur, augmentez l'humidité en pulvérisant régulièrement de l'eau sur les feuilles. Soutenez les tiges grimpantes avec un treillis ou des tuteurs pour une meilleure présentation. En conclusion, le Dipladenia est une plante spectaculaire qui peut transformer votre jardin ou balcon en un véritable paradis tropical. Très décorative, elle nécessite des soins réguliers mais simples. Avec une attention adaptée, elle produira de magnifiques fleurs éclatantes tout au long de la saison, apportant couleur et vie à votre espace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aimer et commenter cette vidéo. Retrouvez-nous également sur jardinetmaisons.fr. À très bientôt.